Jar Jar ont enlevé ma petite sœur lors d'un de leurs raids il y a 5 ans. Ouh, ça parle mal. Peut-être pardonner, mais moi non. Bonjour à tous et bienvenue sur Horizon Zero Dawn. Je suis Tekamon et on repart à l'aventure. Nous sommes dans la cité des Nora pour fêter la célébration qui aura lieu demain, l'éclosion. Et on continue l'exploration de la cité, quoi. Grosse tribu. De ce que j'ai compris, donc, il y a une tribu rivale, les Karja. Alors, ils disent une tribu, mais ils ont une grosse ville. Regardez-moi ça. Ils sont en visite pour faire la paix et des tractations de marché. Ah, les lampions. Ça, c'est quoi, ce symbole-là? J'ai encore des choses que je ne connais pas, je découvre. Ah ouais, c'est ça. Marchand. Ah, objet de chasse. Et là aussi. D'accord. Moi, je dois aller à la cérémonie de la bénédiction. Il va être temps! Parce que je papillonne. Donc, il faudrait que je descende. C'est parti. Et on a vu Kars et on a revu Teb. Ça doit être les deux marchands, en fait, de la cité. Qui ont le même prix. Alors, par contre, ils ont une vision assez marrante, comme si tout le monde allait porter des dreadlocks. En fait, je suis assez étonné. Les Karja ont enlevé ma petite sœur lors d'un de leurs raids. Bon, on sait que les Karja... Hop, 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 hop. Doucement à l'œil. Peut-être que les Karja sont... Il y a du monde. On est prêt. Allez. Nous commencerons quand les aspirants auront pris place. Il faut que je fasse quoi? Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Pff, blasphème. Mes sœurs. Aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. Je prie pour qui? Pour Ross, pour ma mère ou pour moi? Moi, je vais me débrouiller de toute façon. Ma mère, je ne l'ai pas connue. En l'honneur de Ross. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Oh, toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent. Cieux dans l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Les lanternes dans le ciel. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. Ah oui, Monsieur Focus. Karja. Peut-être que les Karja sont venus pour faire un monde honorable. Ce n'est pas moi qui vais les en empêcher. Ça, par contre, lui, c'est l'observateur. Hors de question que je laisse Olin, les Karja m'empêcher de profiter du festival. Il y a du monde, hein. Non, mais regardez-moi cette foule. Pas mal de PNJ. Allez, Olin, c'est à ton tour. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom. Ah. Erend, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Bon alors, déjà, avant de l'agresser sur Focus... Qu'est-ce que tu fais là, Olin? Pourquoi tu es venu? Erend voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie, c'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Alors pour le focus, c'est vrai, c'est intéressant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement? Dans les ruines, au nord de la requête. C'est comme ça qu'on appelle la terre au Céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Donc il y a des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent.
C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Explorateur du passé. Alors oui, pour les rater. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Nora ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'ils se méfient du savoir, je suis entièrement d'accord. Bon bah écoutez, on a tout vu avec lui, hein. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Bon, ça reste énigmatique tout ça. On a une cible. Alors soit je regarde la map, soit j'y vais directement. C'est un peu le bazar. Allez, on coupe à la rivière pour voir. Hop, 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 hop. Ça te rafraîchit les idées. Ouais, c'est profond. Encore des éclats, givre lymphe, c'est cool. Ah oui, donc on peut en fouiller partout. Attends, je fais mon petit tour. Oh. Il y a des caches. Il faut que j'aille vers le cœur de la mer. C'est ce qu'on va faire. Purée, ça commence à être de l'ambiance, hein. Allez. Du coup, j'en profite quand même pour faire... sauvegarde manuelle, ça serait pas du luxe. Pas perdre tout ça. Je voudrais aller là, d'accord. Pour le chef. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit là ? Va donc chercher ton Liparia et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui montes la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence est... Ouais. Tiens donc, qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la. D'accord, quand on est con petit, on reste con toute sa vie. Alors, défi Bast, oh oui. Tu connaissais pas les paroles de la bénédiction ? On peut le frapper ? Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truc qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi ? J'ai peur de rien du tout. Ah, moi je suis prêt, on va rigoler. Ah oui ? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du sceau de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendue plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. Bon, je pensais pas avoir une querelle d'ado. Paria, tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas enfin te taire ? Ça, ce serait une surprise. Bien. Bast, hein ? Alors, oui, il y a du monde. On va faire connaissance. Voilà. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas.
Je ne crois pas qu'on se connaisse. On dirait une amérindienne, c'est marrant. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. En fait, il y a un mélange de tous les survivants humains. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. Oh, c'est la compète. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Ok, maintenant tu obéis aux ordres, tu vas te coucher. Eh ben... Quelle angoisse. Alors, ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Ouais, c'est horrible. C'est bruyant, ça pue, et les gens sont... des idiots. Tous ces gens qui m'ont rejeté. Et je me retrouve là, obligée de les côtoyer. Tu commenceras à apprécier certaines choses bientôt. Va te reposer. Allez, courage, Aloy. Le cœur de la mer, quête principale terminée. Bien. Parce qu'avec des points d'expérience, normalement, on a un point. Oh, et puis voilà. Le pèlerinage de l'éclosion. Bon, Bast, on t'a repéré. Vala derrière Aloy. C'est des pieux, c'est quoi ? L'objectif, c'est de grimper en haut de la montagne. Allez les filles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Ouais, sympa. C'est pas grave, alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Désolé de casser l'ambiance. Ah oui, quand même. Oh punaise! Il y en a un peu partout! Hop 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 hop! J'en ai eu un! Et après? Ok. C'est le trophée qu'il fallait prendre. Saloperie. Ton trophée est en pièces, Paria. Il va t'en falloir un autre. Ouais, bah d'accord. Sale. Pas d'autre? Ah ok, c'est encore ça. Bah non, là. Regarde, pas besoin de s'embêter. Une flambée, c'est pas bon. Et tourne en rond, très bien. Se laisse pas toucher. Ah, puis on voit rien que la neige, évidemment. Une neige, il fait pas très chaud par ici. Alors. Encore une fois. Ouais.
Voilà. Je dois rattraper mon retard. Allez, c'est bon. Hop. C'est pas évident du tout, hein. Quel bordel. Par contre, j'aurais pu prendre des ressources, je suis sûr. Je dois les rattraper. Rejoins le départ des Sentiers des Braves. Oh, saloperie. Il était derrière moi. Il avait l'air doué pourtant. Je vous dis merde. Très bien. C'est la dernière, ma grande. Autant y aller en marchant maintenant. Non, non, t'inquiète. C'est Bastouvala qui va gagner. Mais tu deviendras une brave, enfin, si tu termines. Par où tu veux que je passe? Attends un peu, là. C'est une très vieille piste. Il y a eu deux morts ici l'an passé. Elle tombe en morceaux. Mieux vaut arriver dernière que repartir les pieds devant. Eh bah écoute, pas elle. Ah, je le sens pas. Oh, oh, oh. Parle à toute mère, c'est ça, j'ai... Allez. Après ça, c'est encore pire. Seuls les fous prennent ce chemin. J'ai plus le choix, faut que j'avance. Ça suffit, arrête-toi. Là. Faut que je rattrape mon retard. Le truc, c'est quoi? Allez, Aloy. Ah, ils sont en bas, excellent. Tu traînes, Aloy. Ouais, ouais. Faut pas que je me relâche. Attends. Oh, la vache. Parfait, je gagne du terrain. Allez. Comment elle a fait pour monter? Non, un mauvais choix. Première mort. Punaise. Ah, écoute. J'avais vu une corde jaune. Donc en fait, ce serait quoi? Et là, on descend comment? Descendre en rappel. Punaise. Ah, c'est bon. Allez, Aloy, plus vite. Lâche pas. Bon, le jeu n'est pas punitif, hein, ça fait. Allez, Aloy. On grimpe. Hop. Ah, le stress de la course, c'est pas mal. Elle est toute ma vie pour ça. C'est déjà parti une fois. Ils avaient la tribu. Mais moi, j'avais les terres sauvages. Purée, j'ai encore que fait. Et voilà, je suis distrait, je regarde le paysage. Deuxième mort. Oh. Allez, on refait. On rappelle. Impressionnant. Ah, c'est bon. Et Aloy, plus vite. Lâche pas. Je lâche pas, mais je suis... En fait, faut pas que je regarde un peu trop. Ah, ok, ils vont à droite. Comment je fais pour rejoindre? Il faut bien regarder les autres par où ils passent. Je me suis entraîné toute ma vie pour ça. Ils avaient la tribu, mais moi j'avais les terres sauvages. Par contre, les passages sont intéressants. C'était pas une passerelle métal, la perfection. Ça? Surtout, pas moi. Je vois absolument rien en fait quand t'es dans l'action. Ah, c'est incroyable. Allez, tu peux le faire. Pas question de les laisser gagner maintenant. Première. Alors? Elle peut pas gagner. La paria a triché. Comment une paria pourrait gagner l'éclosion? Impossible. Parce que ce n'est plus une paria, mais une brave. T'es gagné. Ah, c'est tout beau. Comme vous tous, à condition de déposer votre trophée sur l'autel. Mais c'est Aloy, jadis paria, désormais brave, qui vous surpasse tous. Ça, c'est pas normal.
Karja ? Non, c'est autre chose. Empêchez-les de s'enfuir jusqu'à ce que les autres arrivent. Faut pas rester dans le coin. Là, c'est notre issue. On n'y arrivera pas sous les flèches. Ils tireront moins une fois mort. Essaie de les occuper. Moi, je les contourne. Passe ! Est-ce que t'es avec nous ? Je suis avec vous ! On y va ! Maintenant ! Tu vas faire quoi ? Les tuer ? Alors ! Ils sont trop nombreux ! On peut pas gagner ! Fasse quoi ? Ah oui, allez, d'accord. On va pas les pousser. Notre mère, aide-nous. Déjà, se soigner, est-ce qu'on peut? On n'a plus de soins. Allez, tuez les intrus. Comment veux-tu que je sélectionne? Ah, punaise, potion. Je suis d'accord, mais comment les utiliser? Flèche de feu. Tuez-les! Ils sont trop forts! Non, c'est bon. On pourra pas les arrêter! Voilà, je régène. Et on va refaire des flèches du coup. Artisanat. C'est bon. Tourner. Il y en a un là ou quoi? Touché. Tuez les profanateurs! Je vois pas lui. C'est trop nombreux! On peut pas gagner! Tais-toi, Bast. Derrière toi. Vite, tout le monde à la tyrolienne. C'est qui lui? Tuez-les tous. Je ne peux pas te témoigner. Et pas de survivants. Purée. Le combat approche discrète. Oh non, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres! Mais ils sont combien? Plein, assez pour rigoler. Alors, les caches. Ça, c'est sympa. Alors, toi. Allez, de 1. Oh, punaise! Sac de pièges plein. Oh, ils allaient crever, oui. Il y en a plein d'autres. On pourra pas les pousser. Mais si. Aide-nous. Oh, c'est quoi ce délire? On peut grimper? Tuez les profanateurs. C'est ça, en fait. Alors quand je suis dans le combat, c'est moins facile pour causer. Oh ! D'accord. Troisième mort. Non, on n'a pas gagné encore. Purée, balèze. Sur la saillie, il y en a d'autres. Oui. Oh non ! Il y en a d'autres ! Il y en a plein d'autres. Donc c'est peut-être moins risqué de tirer à la flèche. Ah oui, le focus, tiens, j'ai pas pensé entre temps, mais. Non, bah là, tu me gênes. Ils sont trop nombreux. Donc, on a tué une première vague, c'est ça le truc.
Pour l'instant, on peut juste résister. On pourra pas les tromper. Notre mère, aide-nous. Allez, en avant. Voilà. Allez, tuez les intrus. Hop, hop, tout est plein. On évacue. Pas encore. Maintenant, il faut descendre tant qu'on peut. Par où? Par là? Ah, il y a des survivants. C'est quoi ça? Technologie d'avant. Tout le monde à bord. Bah, je veux bien, mais tu veux que j'aille. Ouf. Deux secondes. Tuer les assaillants. Ah oui, si, c'est pas une blague. Un petit. Allez, meurs. Hop, 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 hop. Allez, on va faire comme eux. On va les contourner. Dégâts, ça. Par contre, le ciblage est très très chaud. Arrêtez de bouger, les gars. Voilà. Bon, il en reste un. Pas de mission. Oh punaise, punaise, punaise. Les canons, c'est quoi ça? Appuie sur E pour poser canon. Ça devrait me donner l'avantage. Alors, et maintenant, fouiller le chef ennemi. Moi, j'emmène le canon, hein. Non, mais... Quel combat, quelle folie. Qui sont ces assaillants? Et la caméra marche à nouveau. Cool. Alors, attends. On se met bien doucement, on ne bug pas. Voilà. Excellent. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Ils sont tous morts en fait. Ça. Non, 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 non. Je ne bafouille pas, c'est le stress. Bon, ouais. Honnêtement. On a gagné. Hein. Mais avant que ça zappe. Hein. Attends, on était en nombre, personne n'a pu les vaincre. Ah si, on pouvait. Hop. J'ai cru. Non, bon, on va faire le tour. Je vais fouiller le chef en dernier. Ou pas. J'ai déjà trop de choses. Ok. Oh, les amis. Ok.
qu'il a un focus lui aussi. C'est pas Olin. Alors ça, derrière toi, derrière toi. Qu'est-ce que c'est que cet abruti ? Ça sent la faim. Bon, je suis déjà mort plusieurs fois, tu sais. Ou non, c'est pas bon. Regarde le soleil en face, fillette. Ghost ! Fais gaffe, putain, reprends-toi. Allez, 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 non, non. C'est là, mais t'inquiète, continue. T'es un homme. Merde. Non. Oh bordel, il a tué Ross. Brûlez tout ça. Remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Les Gargins sont venus faire la guerre finalement. Aloy, avec toi. Aloy. Allez, ma grande. Aloy. Protège-la, oui. Oh la vache. Ah mais elle, la chute. Je l'aime, mon cliché de vignette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chaud comme scénario. Ah oui, d'accord, on hallucine. Délire de fièvre. Allez, ma grande. Elle ne doit pas mourir. Attends, je me retrouve petite à nouveau, c'est excellent, non? Oh là! Il est normal qu'on la conduise auprès de sa mère. Rost, oui. Regarde le soleil en face, fillette. Ah, purée. C'est vraiment bien fait. Le bilan, tous tes amis sont morts, Bast est mort aussi, Rost. Non. Et ils t'ont piqué ton focus. Il faut que je sorte de cet endroit. Mais où est mon focus? Non. Et ils ont parlé de ta mère, Aloy. Bien. Quête principale terminée, l'éclosion. Ils ont dû me trouver avant que je me vide de mon sang. Waouh. Pourquoi y a personne d'autre ? On verra dans le prochain épisode les entrailles de la montagne. J'espère que ça vous a bien plu. Bon, je suis pas très doué encore, on a bien vu la course. Et la baston, je suis pas très habitué à tout ça, puisque c'est scénarisé de toute façon. Non, on verra au prochain épisode. Merci d'avoir suivi, c'était Camon dans Horizon Zero Dawn. Et Aloy, toujours là.
Bye bye tout le monde.